Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Vlogmas numéro... C'est même plus numéro 19. Oh, il reste 5 Vlogmas. Nous sommes donc le dimanche 18 décembre, il est actuellement midi 31 et je viens de me lever. Voilà, je suis trop contente, j'ai dormi. Alors hier je devais partir en soirée et tout et au final je suis rentrée plus tôt que prévu. J'ai dû régler certains petits trucs, des petites merdas qui s'étaient passées. Donc je suis rentrée plutôt que prévu. Du coup j'ai pas profité de ma soirée à fond, mais vas-y c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On va se faire un petit café. Mais le problème, le problème mes amis, c'est que je me suis réveillée et j'ai vu l'état de l'appartement. Je me suis dit... Non, c'est pas possible. Là, c'est le bureau. Je préfère même pas vous le montrer parce que j'ai honte. On voit vraiment que là, j'étais en pleine période de projet intensif et que c'était compliqué pour moi de tout gérer. Ça se voit extrêmement beaucoup sur l'état de l'appartement. Ce n'est pas sale, mais c'est le bordel. Il faut que je fasse des lessives, il faut que je fasse plein de trucs, il faut que je range. Et cet après-midi, du coup, on va aller chez mes voisins pour regarder la Coupe du Monde avec eux. On va se faire une petite journée ménage, etc. Et regarder juste le sapin. Principe, pourquoi ça, c'est comme ça? D'accord? Et pourquoi la guirlande pend? De base, elle ne pend pas. Je n'ai plus que 7% de batterie, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai beaucoup toussé cette nuit, j'étais vraiment très malade. Bon, j'ai quand même un peu dormi. Il y a tous les oiseaux qui sont sur mon balcon, c'est trop mignon, putain. Ils ont bien bouffé les graines, hein. Attendez, je vous montre. Ah ouais, oh, il est trop mime, il y en a un sur le rebord de la fenêtre. Par contre, il chie au même endroit. C'est bien, au moins il chie au même endroit, je suis contente, il chie pas trop partout. Je chiale. Ouais, c'est trop bien, ils mangent bien, ils aiment bien les graines de ce que je vois. Et comme c'est dans le petit bac là, eh bien ça n'en faut pas partout. J'ai les narines tellement sèches, c'est horrible cette sensation. Du coup, j'ai pas monté encore la vidéo, donc celle que vous avez vue hier dimanche quoi. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Mais j'ai pas la poste à 18h vu qu'on sera tous en train de regarder le match et tout, donc j'ai envie de profiter. Sauf que vous la verrez pas à 18h, donc je la mettrai plus vers 20h. Voilà, ça c'est un petit café du Matting. J'aime beaucoup trop encore ce genre de petite bonbonnière. Je trouve ça trop trop bien. Et l'appartement, c'est un carnage. Je suis dégoûtée parce que mon mug, je le passe. Je viens de tousser, c'est pour ça que je suis rouge. Mais mon mug, je le passe tout le temps micro-ondes. La vaisselle. Et du coup, le petit truc en or là, bah, il s'est décroché, il en a foutu partout. Ça fait un petit style du coup. Et du coup, ma voisine hier, mais que j'ai dû aller les voir, elle m'a filé le gâteau de l'anniversaire de la fille. Je suis blanche comme un queue. De la fille, donc de leur fille, avec du gâteau et tout. J'adore leurs gâteaux, ils sont tellement bons. Donc, on va manger du gâteau, enfin du fondant au chocolat. Trop bien. Du coup, je viens de prendre mon petit déjeuner. Donc il est petit déjeuner, il est 13h04. Avec Prince, on se faisait plein de petits câlins. Regardez-moi cette beauté. T'as un caca d'œil, mon cœur, ça faisait tellement longtemps. Qui était là pendant les vlogs quand j'étais à Vie Juif? Il avait toujours son caca d'œil. Ouais, maman, elle était pas tellement dispo là ces jours-ci. Tout le temps en train de monter les vidéos, tout le temps en train de faire n'importe quoi là. Faut qu'on range l'appartement. Là, franchement, je vous jure, ça va. Hein. C'est vraiment clean, hein. Mais le bureau, la salle de bain, la chambre, l'entrée, impossible. On va peut-être ouvrir les calendriers de l'avant. Par contre, Prince, il va pas dans le petit panier. C'est problématique, ça. Il faut qu'il soit dans le petit panier. Alors, les calendriers de l'avant, nous sommes dimanche. Du coup, ça va être une bougie, je suppose. Le 18. Ouais, ça va être une petite bougie chez Rituals. Et bien évidemment, je vais galérer à la sortir avec mes ongles. Ah non, j'y arrive là. Et vous pouvez voir que Prince a fait n'importe quoi, genre il a foncé dans le truc hier, genre c'est n'importe quoi. Oh, ça sent super bon, c'est à l'ambre, Precious Amber, plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, le numéro 18, franchement typologie, c'est l'un des meilleurs calendriers de l'avant, je crois que j'ai reçu, enfin que j'ai acheté plutôt, je l'ai pas reçu. Si j'arrive à ouvrir d'une seule main, ah, est-ce que c'est un baume? Oh, c'est encore un baume, j'adore leur baume teinté. Donc là c'est un beige rosé, je suis trop contente parce qu'ils sont vraiment top, ils sont trop trop beaux. Ensuite numéro 18, ah ça je sais qu'un de mes amis il l'adore, du coup je vais lui filer. Pineapple Coco Crunch, ça a l'air trop bon. Oh, il y a des petits cœurs et tout. Mademoiselle qui est bio, je chiale. Numéro 18, gel crème défatigant yeux de la marque Floram, je connais pas du tout. Le 18, un chocolat blanc. Franchement, le YesStyle, il est vraiment top, 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 top. Alors, le YesStyle, j'ai reçu du coup un masque.
au propolis B5. C'est super bien ça. Beaucoup, c'est avec du miel. Il faut l'utiliser sur un visage mouillé. Trop contente. Vraiment trop contente. Un masque au miel, ça c'est super bien. Puis bah c'est parti, on va ranger tout ce bordel. Ah oui, je vous ai pas montré. Mais il y a longtemps, genre vraiment il y a longtemps, 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 j'ai reçu ça de Yestal, mais j'avais complètement zappé le colis, tu vois. Et il m'avait dit, ouais, est-ce que vous avez bien reçu les produits? J'avais dit, bah non. Alors qu'en fait, si, je viens de le capter. En fait, c'est du maquillage, je crois, de chez Yestal qui m'avait envoyé. Donc là, il y a un rouge à lèvres. Là, il y a un truc avec un panda, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un mascara, peut-être. Là, ça, c'est une palette pour les yeux. Une poudre fixante, je crois. Trop cool, j'avais complètement zappé. J'ai retrouvé ça dans mes affaires hier. Mais vous entendez ou c'est moi qui hallucine? Il y a un mec ou une meuf. Il écoute de la musique rebeu, mais de base, on n'entend rien ici. Vraiment, on peut gueuler et tout, on n'entend strictement rien, c'est super bien isolé. Mais là, j'entends sa musique, je comprends même les paroles. Mais c'est pas possible, c'est une boîte de nuit, là. Je me suis fait des petits soins vite fait, genre j'ai fait une petite skincare routine, je me suis pas maquillée, j'ai un peu la flemme. Là, je vais commencer par mettre les poubelles, parce que vraiment, les poubelles, ça, c'est une catastrophe, ça déborde et tout. Je suis malade, ça m'énerve, je sens la maladie. Après, je n'ai plus de voix, c'est je suis malade. Je pleure, il y a une abonnée, j'étais morte. Elle a dit, il faut prendre un shot à chaque fois qu'elle les a dit, je n'ai plus de voix. Là les gars, vous allez bourrer très très rapidement, je pense. Mais j'ai de la voix maintenant, j'ai un peu de voix, mais je suis malade. Ou alors il faut prendre un verre de shot à chaque fois que je dis j'en peux plus. Là on est bourré toute l'année. J'adore ces poubelles, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des poignées et je suis pas obligée de sortir les sacs poubelles. Ça c'est vraiment extrêmement bien. T'as juste à prendre comme ça. Et aller aux poubelles avec ça. Au moins si ta poubelle est cool ou tu vois, bah au moins il n'y a pas ce problème là, là on fout partout. C'est trop trop bien. Bon du coup j'en train de regarder mais tous mes avocats ils sont mûrs. Genre ils sont tous mûrs en même temps. Il faut que je les mette au frigo. Donc là on va nettoyer tout ça là. On va nettoyer l'évier, le plan de travail, la cuisine. Voilà l'état pour l'instant, franchement ça va, on a déjà fait pire. Pourquoi c'est penché là comme ça? Je vais pas rester droit à chaque fois. Donc voilà, on va nettoyer un petit peu tout ça. Après je vais nettoyer aussi le bureau. Allez c'est parti. Pour nettoyer donc l'évier, ça marche super bien, c'est de la pierre d'argent. Je vous l'avais déjà montré ça, franchement c'est trop bien, il y a une éponge à l'intérieur. Et je nettoie vraiment très facilement l'évier. Donc voilà l'évier actuellement, c'est une catastrophe. On va pousser un petit peu tout ça. On va enlever tout ce qui est pourri. Hop. Et c'est parti. Ensuite, moi ce que j'utilise pour me laver les mains, faire la vaisselle, c'est ça. Donc c'est un truc qui fait de la mousse et j'adore ce genre de concept, au moins c'est beaucoup plus facile. Donc là il est vide, donc je vais le remplir. Alors je mets environ, ça je l'ai eu sur AliExpress. Je mets environ une grosse pompe, genre environ ça, et après je mets de l'eau, mais faut pas que ça mousse. Youpsi. Normalement ça fonctionne. Voilà l'état de mon évier juste après. Donc de base on fait l'évier en dernier, hein, mais là c'était vraiment trop sale. Donc j'aime beaucoup trop regarder, ça fonctionne vraiment bien. Et je finis toujours par un petit spray de trucs comme ça pour que ça sente bon, parce que la pierre d'argent, je suis pas très très fan. Donc ensuite, on va s'attaquer à la plaque de cuisson que je n'utilise jamais. On va la dégraisser même si elle est pas grasse du coup. Bon, déjà, voilà ce que ça donne pour le plan de travail, etc. J'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé aussi l'intérieur. Donc, je vais tout remettre en place. Attention, on va faire un 3, 2, 1, tiens. 3, 2, 1, et voilà. J'adore faire ça. Si seulement c'était possible de faire ça dans la vraie vie. Maintenant, je vais m'attaquer à une partie que je m'attaque jamais. Le haut du frigo. C'est une catastrophe. Je peux vous dire que vraiment c'est une catastrophe. Je suis sûre que c'est gras, que c'est noir et tout. Je le fais de temps en temps mais pas tout le temps. C'est pas des coins qu'on fait tout le temps. Mais là il faut que je m'en occupe parce que c'est plus du tout possible. Je vais enlever les plantes que j'avais laissées là
pour qu'elles essayent de survivre, mais ça fait un an qu'elles ne survivent pas. Du coup, il serait temps de leur dire au revoir. Je vais ranger aussi mes pots parce que j'ai mis des pots et tout ici. C'est pas forcément ouf. Et j'aimerais bien un jour essayer d'agencer un petit peu mieux le haut du frigo parce que c'est un endroit qui est. C'est une perte de place là en fait. Donc je mets mes bouteilles d'alcool, des sirops de monin, etc. ici. Mais dans le fond, en fait, c'est gâché. J'aimerais bien mettre des petits bacs et mettre des rangements et tout. Je sais pas, mettre des trucs, des bouteilles, je sais pas. Donc là, je vais juste nettoyer, je vais vider, je vais tout nettoyer. Bah, au final, je pensais que ça allait être un petit peu plus un peu plus sale, mais en fait ça va, je m'attendais vraiment à pire. C'est pas si sale que ça, c'est un peu gras, hein, normal, hein. Mais je pensais que c'était vraiment noir, en fait pas du tout. Donc ça c'est cool, il y a des petites coulures sympathiques. Donc je vais nettoyer, tout désinfecter ici, et ensuite on va essayer de laver aussi un petit peu les bouteilles, parce que là par contre les bouteilles elles sont vraiment grasses. Et j'ai vu que j'avais plein de petits sirops de monin, donc il faut que je les mette un petit peu à disposition et tout. J'ai tout nettoyé, au moins ça c'est fait. Les petites bouteilles du coup on va les mettre ici, ainsi que celle-là. Voilà ce que ça donne, j'ai mis ça comme ça, on verra, mais au moins tout est propre, ça c'est trop trop bien. Donc voilà pour déjà cette partie là. J'ai laissé le petit panier là pour mettre une poinsettia. Je pense que ça peut faire super joli. Faudrait que j'en rachète demain à Carrefour. Et j'aimerais bien que l'appartement soit propre. Et là ce n'est pas le cas. S'attaquer ici. Donc je vais nettoyer un petit peu mieux ma machine à café. Machine à café, oui c'est ça. Avec la pierre d'argent. Parce qu'en fait dans les petits recoins, en fait dans les petites réunions, il y a du calcaire. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça, nettoyer aussi là la petite couille à la goutte là qui arrive. Donc on va essayer de bien la nettoyer en profondeur. Maintenant j'aimerais bien nettoyer ça, vous savez c'est là où passe tout le lait etc. Et le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a du calcaire aussi, j'essaye à chaque fois de le nettoyer, tout le temps je le nettoie mais en fait j'ai l'impression que ça commence vite à s'incruster, donc je vais utiliser la pierre d'argent pour voir si ça fait quelque chose. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez encore des petites traces de calcaire là. C'est extrêmement chiant. Il faut vraiment gratter de ouf. Donc ça, je suis assez contente. Après, j'ai déjà essayé de tremper ça dans du vinaigre ou je sais pas, des trucs comme ça là, trucs naturels, mais ça n'a jamais fonctionné avec moi ça. Et maintenant, on va s'attaquer à cette petite partie là. Ah, moi, c'est ça! Qu'est-ce que c'est ça? Mon amour. Je t'aime tellement. On va nettoyer la table, essayer de mettre aussi les chaises sur la table pour pouvoir passer la... Ah, je sais pas si je vais passer aujourd'hui la serpillière, je sais pas si j'aurai le temps. Donc voilà pour l'instant le salon. Bon après il y a le cadeau de la fille de mes voisins. Donc ça je vais l'embarquer avec moi. Mais sinon tout est propre. Maintenant il faut juste faire le sol dans le salon. Donc ça au moins c'est fait. Donc là il est 15h16. Je pense que le match va commencer à 16h. Donc je vais peut-être aller chez mes voisins. Je vais leur envoyer un message quand est-ce que j'arrive. Est-ce que j'attaque la salle de bain vite fait en attendant? Ouais je vais commencer un petit peu la salle de bain. Non je vais lancer ma machine. Comme ça sera fait. Bon voilà l'état de la salle de bain actuellement. Donc voilà, c'est n'importe quoi, c'est le bordel, c'est le bordel. Je vous montre pas en bas parce qu'il y a mon linge sale, c'est n'importe quoi. J'ai nettoyé un peu la baignoire, j'ai pris la pierre d'argent, ensuite j'ai mis du monsieur propre. Et pour la touche finale, je mets toujours du sif. Je mets ça et après je passe en fait avec une lavette. De toute façon, ici, s'il y a le calcaire, c'est n'importe quoi. Moi, pour la baignoire, il faut vraiment que je frotte à fond à chaque fois et tout, c'est hyper chiant. Du coup, à la fin, j'en mets un petit peu pour enlever tous les résidus de la pierre d'argent parce que... Il y a souvent beaucoup de résidus. Voilà. Et il faut savoir que moi en fait j'ai un problème. J'arrive pas à prendre de bain
si je sais que la baignoire n'a pas été cleanée juste avant. C'est impossible pour moi. Genre si par exemple je prends ma douche normale et tout, je me dis tiens je vais prendre un bain, je peux pas, il faut que je la nettoie avant. Il y a plein de traces blanches à cause de la pierre d'argent. Bon, eh bien, je reviens de chez mes voisins. Je suis dégoûtée, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais bon, de toute façon, la première mi-temps du match, franchement, c'était une catastrophe. Plus les arbitres, enfin, plus les jeux d'acteurs, plus... Enfin, voilà, au bout d'un moment, c'était un peu chiant. Et bah, maintenant, il faut que je continue à faire ce putain de ménage. Je sais pas si je vais arriver aujourd'hui à faire le bureau, mais au moins finir la salle de bain, les toilettes et l'entrée. Écoutez, let's go, c'est parti, on continue. La salle de bain, faut juste que... Ah, faut que je fasse mon ma lessive. Faut que je tourne ma lessive et que j'en refasse une autre. Il fait que des conneries, là. Non mais c'est pas possible, prince. Mais t'es complètement con. À quel moment c'est possible ça? Décembre. Oh, il a... Vous êtes pas droit. Il a... Oh, je vais vous montrer. Non mais là c'est plus possible, là je vais craquer. Il a enlevé la cheville du mur. Prince, comment t'as fait? Juste prince, descends de là. Descends. Putain, on va niquer le mur. Descends, prince. Descends, prince. Allez, Bahar, allez, dépêche-toi. Ce n'est pas un jeu, c'est une situation de crise, là. Descends. Oui, descends, vas-y. Descends. Si tu tombes, prince. Bouge pas. Putain de merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Tu fais des conneries. Putain, c'est possible. Mais comment je vais faire, moi? Oh, putain de merde. Oh là là, le mur. Oh, parce que je suis obligée de faire un trou là, quoi, et je peux pas reboucher et refaire. Ça veut dire qu'il faut que je bouge l'arbre à chat. C'est du placo? C'est du placo ton mur ou c'est du plat? Non, c'est du placo, c'est de la merde. Et du coup, il y a un trou de 25 000 cm là, qui s'est formé. La cheville, elle est où? Bah, elle est dans... Enfin, elle est ressortie, du coup, avec la vis. C'est une cheville en ferraille? Non, en plastique qui tourne. C'est pas celle qui s'écrase, c'est une qui tourne. C'est pas une qui s'écrase. Bah, il fallait mettre. Faut mettre une qui s'écrase. Bah, je sais pas, c'est Richard qui me l'avait mis. Pourquoi si c'est du placo? T'es sûr de ça? Oui. Mais du coup, faut que je rebouche le trou et que je refasse un trou dans ce trou. Non, rebouché. Non, tu peux pas, c'est vite derrière. Du coup, faut une cheville en métal. J'en ai, là, je t'en ramènerai une. Et on peut. Enfin, faudra quand même reboucher le trou et refaire un truc. Non, non, je. Avec une pince. T'as plus que deux trous là, la cheville est partie. Ouais, la cheville elle est dans la vis, genre la vis elle a ressorti le trou, enfin tout quoi. Non, parce que tu sais, j'entends un gros boom et je vois Prince en équilibre sur ton arbre à chat qui est en train de pencher. Je me dis oh merde, qu'est-ce qui se passe? Le trou il est large hein. Genre ça s'est écarté, le trou il s'est écarté. Ah, il fait combien? Ah bah là, j'ai pas. Il doit faire. Au moins un centimètre là. Hein. Bon, du coup, je vais faire les toilettes. Il faut juste que je remplisse le PQ. Après, je nettoie toujours les étagères, donc c'est propre. J'ai pas besoin de le faire. J'ai mis du produit dans les chiottes aussi. Bon, du coup, je viens de passer un petit coup d'aspi vite fait là dans l'appartement. Il me restera à laver le sol, faire l'aspirateur, ranger, vous êtes pas droit, ranger le bureau, ranger la chambre et ranger l'entrée. C'est une catastrophe l'entrée. Je sais, là ce soir je suis vraiment trop fatiguée là, pour faire ça, maintenant j'ai une tête éclatée et je viens de me rappeler que demain ça va être une grosse journée pour moi, j'ai le médecin demain et on va faire des analyses tout ça, donc ça va être une longue journée et après on va faire les cadeaux de Noël, donc il faudra vraiment chercher les cadeaux de Noël demain, je sais que demain que je pourrai, après je pourrai plus du tout et j'ai envie de faire la to-do list là maintenant de la semaine. Donc demain nous sommes le 19, j'ai médecin, faut que je commence mon projet en GGRC, faut que je finisse mon projet en recherche, je vais écrire tout ça parce que sinon je vais pas y arriver. Du coup je viens de faire, j'ai médecin, les cadeaux de Noël, les courses, le ménage, le projet de recherche, projet Big Data, projet GGRC, faut que j'aille à Action pour la décoration de la table. Donc bref, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vais aller me laver, je vais monter aussi cette vidéo pour demain. Je suis dégue, j'ai pas fini tout ce que je voulais faire, j'ai pas fait toutes mes lessives. Après voilà, il y a eu le match, donc j'ai profité un petit peu avec mes amis. Mais j'ai pas fait le bureau, c'est tellement n'importe quoi. Une semaine assez chargée là qui arrive.
Je vais faire le montage. Je pense que je vais fignoler mon projet en recherche là. J'espère sincèrement que cette vidéo ménage vous aura plu. On n'a pas vraiment fini le ménage, mais on a quand même bien avancé. Je suis contente, j'ai fait le frigo, je suis archi heureuse, j'ai fait la salle de bain, ça c'est fait. Les toilettes, c'est fait. Ah oui, il faut que j'achète des points, Cécilia. Enfin, il faut que je me passe la liste de courses demain là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bye bye!